Panda Picture, l'un des principaux magazines d'art de vivre de Shanghai, a annoncé la fin de sa version papier à compter de 2016. À partir de l'année prochaine, son contenu sera disponible uniquement en ligne. Un nombre de publications chinoises ont déjà fait ce choix. Le dernier jour de l'année 2015 marquera également celui de la version imprimée de Bond Picture qui vient de publier sa dernière édition. Le magazine, créé en 2003, est rapidement devenu l'une des références en termes d'art de vivre à Shanghai. Bond Picture n'est qu'une revue parmi tant d'autres qui ont dû mettre la clé sous la porte en Chine au cours de ces dernières années. Les médias sociaux et les appareils mobiles ont changé les habitudes de lecture de nombreuses personnes. Au cours de l'année 2015, Shanghai a assisté à la fermeture du Shanghai Business Daily, du Shanghai Weekly et aujourd'hui à celle de Bond Pictures. De plus en plus de journaux et de magazines ont basculé d'une version papier vers une version numérique de leur contenu afin de s'adapter aux envies de leur lectorat. J'achète beaucoup moins de magazines aujourd'hui car je peux lire la majeure partie de leur contenu sur mon téléphone portable. Je peux les consulter n'importe où et n'importe quand gratuitement. Je peux consulter mes magazines depuis un terminal mobile dès que je suis libre. La lecture est devenue une activité plus fragmentée à l'ère numérique. Les kiosques ont été sévèrement affectés par ce changement. Nombre d'entre eux doivent vendre d'autres produits tels que des boissons, des snacks et des cartes téléphoniques afin de compléter leurs revenus. Bond Picture a précisé que la rédaction continuera d'alimenter les réseaux sociaux, mais n'a pas souhaité faire de déclaration à la presse à ce sujet. Les journaux et les magazines disposent toujours davantage sur les réseaux sociaux. Ils savent créer du contenu. Ils ont à leur disposition des auteurs talentueux qui savent ce dont les lecteurs ont besoin. Leur réseau social est très développé. Leurs ressources sont importantes. Dans cette ère numérique, les experts estiment que l'esprit des publications survivra, même s'il prendra une autre forme.